Barbara, Britain. What's your fuck going on more in a apron? Me bust it off of Satan. Me rifle him a sing sweeter than he can. War is in the air. Tell him fi prepare. Golly God. Bon mounyo, bonjour. Comment les autres fiques? Les autres bien, non? Bon, ben, je suis là, mon pas de côté de la route des plages. Là. Ça fait un moment que je parle de Moody, ça fait pain ball. Nous venons garder Sarah Baye pour les autres. Vous avez compris Sarah Baye? Move. Feel like bad man fight with the rug rat. Lick a yacht. Shoot to shoot people. Fuck on the field, say. Bad man, no body boy. Son of boy, can't come in a baby. Walk with the matty, can't cock it. Don't know who no can't send a pussy, come page me. Man, I'm out on a set. Rifle, rice, and I'm out on a set. Oui, Azé, ça va? Ouais, tranquille, tranquille. Oh, ok. Dis-moi, Sarah Baye, je de là. Eh bien, je vais vous montrer à qui ça qui paintball okay. En Guyane. Premièrement joli. Mais pas de problème, nous paraît. Montrez-moi ça. Sans montrez-moi problème. Mon parcours en Simonson. Suive-moi. Donc là, tu vois, on a notre terrain, mm-hmm. Cabane dans lequel on retrouve nos affaires, tout notre matériel. Okay. Puis on a des terrains sécurisés avec des filets de 6 mètres de haut. Ah ouais, quand même, 6 ouais, mètres. Ouais, 6 mètres. C'est important la sécurité. Hein. Tu vois, porte du mat obligatoire, bouchon de canne obligatoire. Ah quand ouais. On va jouer. Là, en fait, cette première partie, c'est la partie loisir. Les gens, tout le monde peut venir jouer, s'amuser, découvrir le paintball. Okay. Et puis là au fond, là, il y a le terrain de compétition qu'on est en train de monter spécialement pour toi. Ok, pas de problème. Donc là, tu as tous mes joueurs, enfin une partie de mes joueurs. On a une équipe sportive, okay. Le club s'appelle le PCRM, mais on a une équipe sportive qui s'appelle les Bonobos. Mm-hmm. Ils sont là pour représenter Rémi Mangioli dans la nouvelle ligue dont on parlera tout à l'heure. Okay. Voilà, donc c'est un terrain gonflable, hein, en format compétition. Et puis là, on est en train de tout mettre en place. Spécialement pour toi là. Bon, ben nous regardons ça. Sans problème. Bah, j'aime tout à l'heure. Ok, yes. Loud eagle, with a broad eagle. Now off the road. Yo, how them feeling? Yo, twirling. Hey, rise up the production. Rock and boy, rock and boy, rock and boy. Production, rock and boy, rock and boy. Ready, hard to bend. Chatting on your face with your mama and your friend. Me no talk with people, me no chat word. God in a boy head when me back slug. Bad boss of them skin make them chat blood. Black blood shoot tongue boy like blackboard. Rifle and rise and squeeze. Go all over there. Watch wire fall like lime drop. At him all talk on me name to no crime stop. In a boy face me make police find shot. Hey, talking me no join that. When I was squeezing me aim no find that. Why Elbus and them jolly fly bus. Chalk boy broad you like how we style that. Rifle and rise and squeeze. Why you gonna shoot boy, and then this that a my walk. Now nah, see me with no cutlass a file up. Why drop boom on the drum, make the tile broke. Kill off your family, make your brother drop. Shitty baby swell up, your mother fat warrior. Ah ouais, Yazid, franchement, parti à t'es malade quand même. Il pas t'es mal, hein. Ah, vous mangez quand même, hein. Donc dis-moi, par rapport à ça, vous avez deux, trois petites questions qu'à poser tout. T'as fait des tournois, des activités, hein? Bah, ces tournois qui ont commencé en octobre. En fait, depuis l'année 2000, nous commençons à jouer paintball. Mm-hmm. Et puis, bah, nous commençons en forêt, en ayant un mort, bête comme ça. Puis après, on a commencé sur des pneus. Puis maintenant, comme je peux faire sur notre terrain avec des obstacles gonflables de compétition, donc avec en partenariat avec Guyane Paintball et d'autres clubs de Kourou et de Makouria, on a monté une ligue de paintball. Ah ouais, carrément, une ligue de Guyane de paintball sportif. Okay. La première rencontre va commencer le 7 octobre. Mm-hmm. Et il y aura 6 rencontres par an. 6 rencontres. Voilà, et le but c'est de pouvoir mesurer le niveau de tout le monde et ainsi que le vainqueur puisse Donc il y a vraiment plusieurs clubs, plusieurs adhérents qui s'affrontent. Bah, ça commence, hein, puis tu sais, il y a toujours c'est l'esprit de compétition et tout, tout le monde a besoin de se mesurer. Donc on est obligé de faire une ligue puisque faut savoir ce que l'on vaut par rapport aux autres.
Donc d'où le fait qu'on ait monté cette ligue. Bon, éventuellement, s'il y a des gens qui nous regardent et qui veulent pratiquer cette activité, comment ils peuvent vous joindre? Bah, écoute, c'est bien simple. On fait des initiations pour permettre aux gens de découvrir le paintball en toute sécurité. Mm-hmm. Ils peuvent nous contacter sur notre Facebook. Ils tapent Paintball Club de Rémy Armand-Joly, PCRM, et ils pourront nous trouver. Et à partir de 16 ans, les enfants peuvent venir jouer. Ah ouais, 16 ans quand même, hein, parce que bon, il y a quand même des règles de sécurité, il y a un encadrement qui est mis en place, et des enfants un peu trop jeunes, non, mais à partir de 16 ans. Donc ils peuvent venir prendre contact avec nous sur notre page Facebook, PCRM Paintball Club de Rémy Armand-Joly, et on pourra leur faire découvrir le sport. D'accord, voilà. Et sinon il y a un numéro de téléphone éventuellement pour vous joindre? Bah, ils peuvent me joindre à mon numéro de portable, 06 94 46 80 08, okay. Et je pourrai tout leur expliquer. D'accord. Voilà. Bah, mon grand remercie toi, quoi, et franchement, belle petite partie. Sans bruit, yes, prochain yes. Coup. Warm to them boy, yeah, them know nothing about war. Spanish stuff. What am I dealing with? Warm to them. Yo, shot man, I want to start, man. Straight in, a boy can't straight away. Jerry Dog and Shanty man. Hey. Ben Gerson? Ouais, ça va, forme. Ouais, très bien. Donc dis-moi, j'ai quelques petites questions à te poser. Ouais. Depuis quand tu fais du paintball? Ben là, ça va faire 4 ans qu'on pratique le paintball. Mmh. Au départ, bon, on a eu un peu de difficulté à s'installer. On jouait sur des lieux divers. On jouait par exemple à côté de Rochambeau. On a joué aussi à Matoury. Et là, on s'est installé ici. Là. Et comment tout ça a né, cette passion pour le paintball? Ben, c'est en regardant des vidéos. Mm-hmm. On a regardé des vidéos, on s'est aussi renseigné pour savoir quel lanceur qu'il fallait acheter avant. Au départ, on a commencé comme tout. Exactement, pour s'équiper, on a commencé par des lanceurs qui ressemblaient à des répliques. Okay. Et ensuite, on est passé à des lanceurs un peu différents, un peu plus jouets, je dirais. Mais dis-moi, tu fais partie d'un club ou d'une association? Ben, oui, moi je fais partie de l'association Guyane Paintball. Mmh. Ça fait un petit moment qu'on est né là, ça fait 3 ans. Okay. Et on est à peu près quoi, on est à peu près à 60 membres. À 60 peu près. Membres. Ouais, ouais, quand même. Ah, ça, c'est bien. Et ouais, ça se passe bien et on espère qu'il y aura d'autres membres après certaines compétitions qu'on va mettre en place. Et dis-moi, qu'est-ce qui te plaît dans cette activité? Ben, dans cette activité, c'est que c'est un mélange de sport et de loisirs en même temps. Donc, c'est-à-dire que bon, déjà, avec ce cadre-là, on a eu un souci pour placer le paintball en tant que sport. Mm-hmm. Mais là, on est arrivé à un stade où, ben, quand on vient faire du paintball, on transpire, on s'amuse. Ah, ça fait du sport en même ouais, temps. Exactement. Voilà. Voilà. J'entends aussi parler du airsoft. Dis-moi, quelle différence qu'il y a avec le paintball? Ben, en fait, la différence, elle est que ben, au airsoft, c'est plus de réelles répliques. Donc, c'est-à-dire que tu auras un AK-47. Bon, je te prends juste l'exemple de l'AK-47. Mm-hmm. Ça va ressembler pratiquement au vrai AK-47. Mais la différence avec l'airsoft, c'est que nous, on a des billes de peinture et eux, ils ont des billes en plastique. Bon, ah ouais. Des fois, c'est pas forcément du plastique, c'est aussi y a une autre matière là, mais bon, je connais pas trop. Mais je sais que la différence, elle est majoritairement là. Ok, ben je te remercie bien de toutes tes informations. Moumounia, mon paquet mon petit bousot, hein. Il a fait mal, hein. Mais mon t'es à donner, hein. Ah ouais, hein. Mon radio t'y parti à la mon t'es couché plat à terre, mon t'es comme moudel là, mon radio, ah ouais, mais pas besoin que tes autres quoi, hein. Ben t'as structuré, il y a un monde là qui accueille les autres, qui accompagne les autres, il y a un faux, si les autres les mettent les autres collègues ça, il y a un c'est un faux à afficher juste en bas. Je ne peux pas dire ça pas connaître. Et pas oublier, à sa cabane.